Oui, un véritable plaisir et nous disons sincèrement merci à notre staff technique, merci aux joueurs et surtout grand merci au président sponsor qui n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre à Mazembe d'aller de l'avant et de gagner cette compétition. Bon, c'est vrai que le match n'était pas facile, l'atmosphère et l'ambiance n'étaient pas du tout faciles. Nos amis de Vecclub ne nous ont pas du tout facilité la tâche. La preuve est que vous avez vu que nous, on est restés derrière la zone neutre parce que même les places qui étaient réservées pour nous en tribune d'honneur ont été raflées par les supporters de Vecclub. Donc, une fois que l'équipe commence à être dirigée par les supporters, voilà les résultats auxquels on va s'attendre. Et c'est vrai que on devait aller jusqu'au bout du terme. Il restait encore 2 minutes à jouer dans les arrêts de jeu qu'on a provoqué cet arrêt. Mais qu'à cela ne tienne, Mazembe champion de la Linafo pour la 4e fois consécutive et que Vecclub doit se contenter l'année prochaine d'aller représenter le pays en Coupe de Confédération. Ce Mazembe là face à Vecclub, il vous a plu? Oui, ce Mazembe m'a plu dans la mesure où on a entendu beaucoup de messages ici, que Vecclub ne peut jamais perdre sur son terrain, et qu'il y a ceci, qu'il y a cela. On a tenu compte, et nous l'avons dit dès le départ, on a tenu compte des aspects extra-sportifs, alors qu'il fallait tenir compte des aspects sportifs. Alors ce Mazembe-là, franchement, il mérite un chapeau. Alilan, la semaine prochaine, ça vous met en confiance? Bon, oui, vous savez que c'est toujours bon pour le moral, hein. Après avoir gagné un classico, c'est toujours bon pour le moral, parce que c'est un match assez difficile que nous devons entamer, donc ça nous met vraiment en confiance.